Bonjour tout le monde. Alors on a joué à la démo de Vendir Plague of Lies et là on va jouer à la version full, sauf que petit misclic, donc on va le relancer. On va déjà voir si on peut récupérer notre save de la démo. Essayer d'améliorer la qualité. On va pas changer la qualité. What? Ça fait planter le jeu quand je change la qualité. Ah, on peut récupérer notre personnage. Parce que je suis pas sûr en fait d'avoir envie de jouer ce personnage, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je me demande si j'aurais pas dû faire un brigand en fait plutôt. Donc ce jeu, vous l'avez vu sur la démo, est un jeu qui, en termes de d'écriture, est complètement à la ramasse. Hein. Donc c'est pas un jeu qui va valoir pour la qualité de son écriture et donc pour la narration, le récit, tout ça. Donc il est probable qu'on décide de partir. En fait, je serais peut-être parti sur un côté plus... Peut-être voleur. Après, poison, ruse, tout ça, je m'en fous un peu, vous voyez. C'est la personne qui dual wield. Mage, si j'ai bien compris, le PNJ suivant que vous allez récupérer sera plutôt typé pyro-nécro. Du coup, vous privilégiez les armes de grosse taille, donc les armes à deux mains. Donc, est-ce qu'on veut recommencer avec un brigand? Le brigand, ce qu'il va voir, c'est que il va taper avec des armes perforantes qui n'ont pas forcément toujours de la résistance, voyez. Ouais, on va continuer comme ça. Bon, il y a eu plein de choses à faire. Plein de quêtes qu'on n'avait pas prises. Il faut toujours qu'on récupère un bois de chauffage, quelque part je ne sais pas où. Tanière du sanglier, ok. On va y rentrer. Je vais trouver un sanglier avec un peu de chance, c'est celui qui a mangé le cadavre de la nana qui voulait que... Ah oui d'accord, c'est direct le fight, ok. Et on va tenter la double attaque, ok, il est ni sensible, il est pas résistant, il est pas faible, bon ça va. Bah, tu taunt comme d'hab, va falloir qu'on t'achète une armure hein, à un moment donné. Bah, tu attaques, tu pourrais faire épuisement, mais pour l'instant continue à garder le taunt up. Et en alerte. Qu'est-ce que ça fait alerte? Chance d'esquiver sont augmentées de 10%. Oh, c'est... Oh, c'est chiant, mais c'est pas non plus. Bah tu as tortue, parce que le tortue, bien sûr.
Bah dis donc. Pas pris cher malgré la tortue. Ah ok, à chaque round il va perdre... Ah c'est la durée. Ah oui d'accord, oui c'est sûr. Du coup toi tu n'auras plus la provocation. C'est dommage. Vas-y, on va juste y aller à coup de tabassage en règle. Hein. Le coup critique il fait pas plaisir. Une bague et des chaussures de maraudeur merdique. Oh là là, s'il vous plaît. Une épouvantable chemise. On a eu une armure merdique et une épouvantable chemise. Je ne suis pas sûr que ce soit du loot extraordinaire, mais... Bague moyenne. Et moyenne. Moyen. Et on va équiper ça en bague, hein, c'est quand même très bien. Et toi, tu as défense magique plus beaucoup. Tu n'as pas de défense physique. Encore une fois, on a une armure très forte en défense, mais... sert à rien. Cette bague, c'est quoi? C'est l'objet de quête. Ouais, donc c'est effectivement la défense magique et intelligence. Écoute, t'as rien au pied. Donc équipe, hein. Ça va te rendre intelligente. Une idée un peu triste, mais pourquoi pas. Ok, donc on a deux quêtes à valider avec ce kill. Comme je disais, c'est pas un jeu qui va valoir beaucoup pour le côté lecture. Donc c'est probablement un jeu pour lequel je ferai des enregistrements peut-être sans commentaires. Je n'ai pas de nécessité de faire des commentaires. Et que par les temps qui courent, je vais devoir me passer beaucoup de commentaires. Mais disons que j'ai bien aimé l'ambiance générale du soft. Certes, c'est très grossier, c'est très vulgaire, c'est très mal écrit. Mais l'ambiance générale était sympa. Prends cette bague, moi j'en ai rien à cirer. Crime de porte en attente au restaurant. What? Tu m'as donné quoi en récompense? Je ne saurais dire. La viande de rat? Ça fait pas rêver. Vas-y, on va mettre de la force, beaucoup de force. Attaque simple. On te l'avait pas déjà pris, attaque simple améliorée, toi? Et c'est activé d'ailleurs. Ok. Alors, brisure ou intimidé? Intimidé, c'est quoi? Inflige frisson à l'ennemi, réduisant sa résistance magique de 25% pour 3 tours. S'en fout. 300, on a pas de mage. Brisure, tu réduis sa résistance physique. Ah, c'est tout de suite plus intéressant parce qu'on fait que des dégâts physiques hein, pour l'instant. Ok. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... hop. Je continue à jouer sans commentaire. Il n'y a pas de raison d'en faire. Et je vais devoir faire une petite pause, déjà, de façon avant de jouer plus avant.
Huh.
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 Huh!